chers invités, chers parents, amis et enseignants. En septembre 1989, la majorité des parents ici présents, vous étiez à l'école pour accompagner votre enfant en première année. Votre enfant entrait dans le système d'éducation publique du Nouveau-Brunswick. Un des plus importants services publics dont la qualité influencerait le développement et l'épanouissement maximal de votre enfant. L'école Sainte-Anne a su offrir à nos finissants et finissantes d'aujourd'hui une éducation de qualité grâce au généreux soutien des acteurs principaux de la communauté scolaire, c'est-à-dire le ministère de l'Éducation, le district scolaire, la direction, les enseignants et enseignants, le personnel de soutien de l'école Sainte-Anne et du centre communautaire, et bien sûr, vous, chers parents et amis. Nous avons voulu développer chez nos finissants et finissantes l'autonomie, le sens critique, le goût de l'excellence, le sens des responsabilités, le sens d'initiative et nous l'espérons, le goût d'apprendre pour toute leur vie. Pour ce faire, il a fallu créer un milieu stimulant, les encourager dans leurs projets, leurs activités, les écouter, utiliser des approches pédagogiques et des stratégies qui rejoignaient l'élève pour qu'il fasse des apprentissages durables, leur offrir une communication vivante, les mettre en déséquilibre pour qu'ils puissent développer des stratégies en résolution de problèmes et j'en passe. Nous sommes confiants. Ils sont maintenant prêts. Il revient à chacun des finissants et finissantes de relever le défi et d'apporter sa précieuse contribution à la société. Merci à tous et à toutes pour votre indispensable contribution. Sans plus tarder, levons-nous pour accueillir ensemble les finissants et finissantes 2001.
là pour vous aujourd'hui dans un sens comme ça va être pour moi la fin juillet. Alors, j'ai beaucoup aimé l'expérience d'être avec vous pour 15 ans. Votre première communion, j'étais là, première fois qu'on a célébré le pardon, votre confirmation et bien d'autres occasions. Alors, avant de faire la prière, je vous souhaite toutes les meilleures choses pour ma vie. Alors, prions aussi. Notre Père, ton Fils, bénédiction. Continuez à veiller sur les finissants et finissantes de l'école Saint-Anne de l'an 2001. Qu'ils soient guidés par votre Esprit Saint lorsqu'ils avancent dans la vie. Veillez aussi bénir leurs parents, leurs enseignants et enseignantes, qui les ont guidés pour de nombreuses années. Nous vous faisons cette prière. À vous, notre bon Père, souvent aussi appelé Abba et Allah, par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et qui règne dans les siècles des siècles. Amen. Nous, Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les affaires. Il aimerait un jour gérer son propre terrain de golf. Philippe Boudreau. Philippe va poursuivre ses études pour devenir ingénieur ou joindre l'armée. Emmanuel Dupin, l'an prochain... à l'Université de Moncton pour étudier en kinésiologie. Il espère faire l'équipe de volleyball. Mais elle est certaine que ça va impliquer du théâtre. Elle pense étudier soit à Moncton, à Concordia, ou vivre l'expérience de Katimavik. Nicole Cormier. Nicole fréquentera l'Université du Nouveau-Brunswick, où elle espère jouer au volleyball. Après ses études, elle espère poursuivre sa carrière dans la GRC. Chantal va fréquenter le collège communautaire pour un an et par la suite, elle a l'intention de travailler et d'économiser son argent. Dominique Day. Si sa candidature est retenue, Dominique vivra l'expérience Katimavik. Sinon, elle débutera son baccalauréat des arts et sciences à l'Université du Nouveau-Brunswick. Elle souhaite un jour avoir la possibilité de joindre Médecins sans frontières. Marc Doucet. Marc va au Collège communautaire de Moncton l'année prochaine en soudure. Son but est de devenir un soudeur aquatique. Wendy Duguay. Wendy veut prendre une année de congé avant d'aller à l'université. Philippe Fontaine. Philippe a comme projet d'avenir de devenir pompier et de toujours avoir du temps pour travailler sur les autos. L'an prochain, il va aller sur le marché du travail. Lindsay Fortner. L'an prochain, il va poursuivre ses études à l'Université du Nouveau-Brunswick en administration. Ensuite, elle va aller en droit pour devenir avocate. Sacha Franker. L'an prochain, il poursuivra ses études à l'Université du Nouveau-Brunswick en génie informatique. Dans l'avenir, il aimerait pouvoir gérer sa propre entreprise. James Gallant. Tyler désire poursuivre ses études à l'Université du Nouveau-Brunswick en informatique. Il aimerait obtenir un doctorat dans ce domaine et éventuellement gérer une entreprise. De Moncton afin de devenir enseignante. Elle étudiera en histoire. Taylor Gray. Taylor va étudier à l'Université de Bishop dans le secteur de la biologie. Il aimerait étudier les animaux à travers le monde entier. Cependant, il aura toujours du temps pour sa planche à neige. Annick va
afin de devenir travailleuse sociale. Elle a pour but d'ouvrir une clinique de santé pour les adolescents. Elle suit ses études à l'école d'effets spéciaux Complexions à Toronto. Ses études à l'Université Saint-Thomas. Puisqu'elle est encore incertaine de ses plans futurs, elle aimerait peut-être un jour faire de l'aménagement intérieur ou devenir avocate. Louise Lardy. L'an prochain, Louise poursuivra ses études à Neuchâtel, le collège. Elle a comme projet futur de déménager en Ontario afin de pouvoir approfondir ses études et elle aimerait un jour travailler sur des bateaux de croisière. John désire avoir un doctorat et enseigner au niveau postsecondaire. Bertin Mallet. Bertin a l'intention de continuer ses études universitaires et espère en même temps pouvoir continuer de jouer au volleyball au niveau universitaire. Il va poursuivre ses études à l'Université de Moncton en sciences infirmières. Elle souhaite aussi devenir un juge de patinage artistique au niveau national. Souvenirs mémorables. Merci.
Alors, je demanderai à Marielle Carrière. La deuxième course est la casquette de l'introduction, un prix de 200 $, la deuxième tour moyenne, et elle est offerte à Bertanaret. Thank you.
Oh, $6,000. Six and 11. $6,000. And 11. Deux bourses de 2500 dollars, la première de 500 dollars, la bourse canadienne de Canadian Atlantic. Seul, un finissant n'a pas la force d'affronter
Mais dans le cas de finissant, les méchantes sauterelles, ce sont le travail, les activités finissant, les projets scolaires et les études. Si les finissants se regroupent et s'entraident, la classe peut affronter n'importe quoi. En gros, l'amitié est le ciment qui solidifie le groupe des finissants et cette amitié restera longtemps dans nos souvenirs. Des nombreux souvenirs des finissants forment un lien particulier avec le reste de la classe. Qui va oublier le rire de Solange? Les classes frigorifiques du secondaire et la nourriture de la cafétéria. L'année prochaine, ce sont les événements de tous les jours qui vont nous manquer. Qui, chaque matin, va se promener dans le corridor tout en criant « dans vos classes ». Et est-ce que le directeur va nous faire des grimaces dans les fenêtres l'année prochaine? Nous savons tous que cela est quasi impossible, mais ce serait de bons souvenirs à se remémorer. L'année prochaine sera un nouveau départ, un autre chapitre dans notre vie. Ce nouveau chapitre sera rempli de défis à affronter avec le succès et la défaite. Avec l'aide de nos parents, de nos professeurs et de nos collègues, nous sommes enfin prêts à surmonter le futur. Finalement, nous recevons notre diplôme. Nous avons fini. Les 12 années ont paru longues et interminables, mais à la fois courtes et plaisantes. Nous avons distribué nos photos de graduation et nos robes et nos habits de bal reposent dans les garde-robes. Nous avons combattu le syndrome des 12e et l'agréable rillette de pomme. Toutes les activités sont terminées et c'est la célébration. Maintenant, nous sommes ceux qui portent des toges bleues et jaunes avec notre diplôme en main. C'est aussi la célébration de nos parents et de nos professeurs. Chers parents qui nous ont accompagnés à notre première journée de classe jusqu'à nous tirer hors de notre lit durant la dernière année scolaire. Vous nous avez toujours supportés et voici le résultat. Nous graduons. Les professeurs qui nous ont éclairés et endurés durant ces 12 années méritent aussi un gros remerciement. Sans eux, nous ne serons pas ici aujourd'hui, instruits et prêts à faire face aux obstacles de la vie. Comme Pinocchio, chaque finissant a un rêve. Non pas celui de devenir un vrai petit garçon, mais le rêve de graduer entouré de nos meilleurs amis. La remise du diplôme est le dernier chapitre de notre conte. Et comme dans chaque conte fantastique, l'histoire se termine toujours par ils vécurent heureux et heureuses pour le reste de leur vie. Donc, chers finissants et finissantes, je vous souhaite une vie remplie de joie, d'amour et sans oublier un peu d'humour. Bonne chance à tous. Merci.
C'est comme American.